Bonjour, nous sommes donc dans la préparation de la messe du dimanche 14 janvier 2018 ici à Paris, en continuité de la mobilisation qui a commencé donc le 31 décembre à Kinshasa. Et nous sommes donc vraiment des ambassadrices vivantes pour le soutien total de la communauté congolaise par rapport au message qu'a lancé déjà notre cardinal Mostenga. Nous sommes de tout cœur avec lui et avec la population congolaise. Nous, le Haut Conseil des Congolais de France et d'Europe, en partenariat avec Trédignon, des Congolais en France, nous avons pensé que si les femmes s'élèvent, c'est aussi Dieu qui s'élève vraiment derrière nous. Nous soutenons entièrement l'action qui a commencé avec la mobilisation de toute la population congolaise à Kinshasa. Nous sommes derrière vous. Nous nous battrons à bras ouverts avec tout notre cœur pour que plus jamais les tueries continuent à se vivre jusque dans l'église. Là, nous allons dire vraiment trop, c'est trop. On ne pourrait pas rester indifférente. C'est pas possible. Il faut donc que, en écoutant mon message, que tout Congolais se dise, il faut s'élever. C'est à nous de s'élever. Nous allons rejoindre juste la parole de Papa Lumumba qui avait dit, d'ailleurs, debout au capi digne, afin que mon sacrifice ne soit pas vain. C'est vraiment un appel lancé à tout Congolais de la diaspora, de France et d'Europe, pour pouvoir honorer nos martyrs, pour pouvoir honorer nos victimes. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de rester dans les sentiments, dans les sensations. Il faut qu'on saisisse vraiment les messages par rapport à ces messages de la médiocrité que Monseigneur Mosengo nous a lancé, que ce soit comme une étoile de l'épiphanie qui nous amène vers la crèche, rencontrer la vraie vérité. Parce que si nous allons à la messe, au fait, c'est pour nous dire que plus jamais le mensonge va se mettre au devant de la vérité. Donc nous savons déjà la vérité. Et c'est cette vérité qui doit maintenant nous affranchir pour que nous devenions vraiment une population, un peuple libre. La liberté ne se donne jamais. La liberté s'arrache. Donc à vous, peuple congolais, de s'élever. Ce dimanche, donc, nous serons tous ensemble avec la communauté congolaise à l'église Saint-Bernard à Paris, donc métro Barbès, dans la rue Saint-Luc au numéro 6. Pour ceux qui veulent nous rejoindre là-bas, la messe va commencer à 15h, 15h heure de Paris. Pas comme nous avons l'habitude de le faire, mais vraiment à 15h, la messe commence et nous allons terminé aux alentours des 18h. Donc nous vous invitons à venir massivement encourager l'élan, cette étoile qui nous mène vers la victoire. Je vous remercie.